Le soir tard chaud. Le soir tard chaud, c'est maintenant TSO Radio. Bienvenue sur TSO Radio, j'avais pensé à une vanne pas du tout drôle, mais c'est pas grave, je rigole tout ça. Vas-y, dis-la. Vous êtes... Non, mais j'allais dire bienvenue dans cette émission présentée par le melon, voici Melèche. D'accord. C'était... Petit, voilà, c'était à chier. Voilà. Melon et Melèche sont sur un bateau. Non, Melon et Melèche achètent une maison. Melon l'achète. Et Melèche l'habite. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, la rubrique, très fin tout ça. L'intervention de quelqu'un qui n'est pas intelligent, du coup, c'est moi. L'appel débile, nous allons appeler des quoi? Des hôtels. Comme la dernière fois, et au gong, il va falloir changer d'humeur. Et je pense que je vais refiler ça à Hélène. Pourquoi? Je m'explique tout de suite. C'était prévisible. Parce qu'en fait, la dernière fois, nous avons demandé à Stéphane de s'énerver. Voilà. Moi, je m'énerve pas quand c'est pas logique. Donc, je te rappelle que. Ah ouais, mais. Rappelons l'énervement. Quand tu entends ce son, il faut que tu changes d'humeur. Après, si tu veux te mélanger au syndrome Gilles de la Tourette, y'a pas de problème. Si tu pouvais. Du Gilles de la Tourette en même temps. Si tu pouvais changer d'animal, c'est tout ce que je te demande parce que la fois dernière. Bon c'est à un moment donné la poule quoi, pendant trois. C'est comme tu veux. Alors, on va appeler des hôtels Ibis. Alors, en même temps, ça nous permettra de confirmer. Normalement, ils ont pour instruction de ne pas raccrocher. Normalement, mais on s'est parce fait avoir que la dernière fois que t'as dit ça, il a raccroché. Ça a raccroché. Voilà. Donc, nous appelons, comme vous pouvez entendre, le. Enfin, tu désactives ça. Ouais, c'est un peu. Et donc, Hélène. Putain, j'ai plein de potions dans mon truc, je déteste ça. Ce sont tes poussières. C'est pas très hygiénique en fait comme. Tos, merci. Bah, il y a tellement de dossiers maintenant que. Ouais. Gardez l'esprit grand ouvert. Ah. Faites-nous confiance, les yeux fermés. Ah. Bah, l'avantage c'est qu'on n'est pas obligé de combler, ils le font pour nous. Et donc, c'est quel hôtel alors? Hôtel Ibis Rennes Saint-Regard, c'est Guillaume, bonjour. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Voilà, je vous appelle, je voulais savoir si vous faites des locations de chambres à l'heure, s'il vous plaît. Alors, vous m'avez dit des locations de chambres à l'heure. Alors, à l'heure, non, mais à la journée, oui. D'accord, à la journée. J'avais, vous souhaitez... Ouais, mais par contre, à la journée, comment, en fait? Alors, c'est à partir de 9h et jusqu'à 18h. Salope. Pardon, excusez-moi. Du coup, ça se passe comment pour la location, s'il vous plaît? Alors, pour la location, soit vous arrivez sur place quand vous souhaitez dans la journée, et on pourra faire la réservation, ou nous, on peut faire la réservation par téléphone. Excusez-moi. Du coup, je voudrais réserver pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. D'accord, pour quelle date? La semaine prochaine, le mercredi prochain. D'accord. Mercredi prochain, quoi! Alors, c'est pour combien de personnes? Ben, on sera 4. 4 quoi. Alors, c'est à quel nom? La bite. L-A. Oui. B-I-T-E. D'accord. Comme une bite. Le prénom? Monique. D'accord, je vais prendre un numéro de téléphone. Alors le 06 13 oui. 52 d'accord. 23 49. Très bien, et je prends une carte bancaire pour garantir la réservation, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il vous faut? Une carte bancaire pour garantir la réservation. Ah, une carte bancaire? Je vous la donne comment? Par téléphone. Par téléphone? Mais c'est pas très sécurisé ça. Vous m'avez dit? Je vous l'insère où? J'ai pas entendu ce que vous m'avez dit. Je vous l'insère. Alors par téléphone, vous me l'appelez juste. Bah comment je la mets dans le téléphone? Je vais la mettre dans le téléphone, ma carte bancaire. Non, vous mettez pas la carte bancaire par téléphone, vous me donnez simplement les numéros qu'il y a sur une carte bancaire. Ah ouais, et puis après vous allez aller sur internet et puis. Hein. Et bah c'est comme vous souhaitez, sinon. Pour acheter des gommes Michel encore tout ça. Internet. Franchement. Vous êtes d'une patience incroyable, monsieur. Oui, monsieur, vous êtes d'une patience incroyable. Vous êtes génial. Vous êtes à la radio, monsieur. C'est vrai? Oui, oui, voilà. Alors, vous pouvez supprimer la... Oui, j'ai entendu votre ordinateur. Supprimer la bite, supprimer Monique, parce que elle ne viendra pas. Mais merci beaucoup. Vous m'avez fait rêver. Quand même. Vous m'avez fait rêver pour votre patience. Merci beaucoup. Vous avez été le plus patient depuis le début. Vous êtes l'hôtel Ibis, c'est ça? De où? On va faire un peu de pub, du coup. Y a personne la gare qui vous de Rennes. La gare de Rennes. Et vous avez un prénom?
Moi c'est Guillaume. Eh ben bon, enchanté. Merci Guillaume. Guillaume. Merci Guillaume. Par contre, je suis désolé, bonne journée à vous. C'est bon. Ok. Allez, au revoir, à bientôt. Bon ben, bah, il était patient jusqu'au bout, hein. Très patient, monsieur. Et là, on peut confirmer, il a pas raccroché. Mais ben, je pense que voilà, là on y est, on est dans les hôtels qui ne peuvent pas raccrocher. Mais je le sentais, on sentait, il était là, à mon avis. Ah, ah, comme ça. Le joulin serrou, il a rigolé quand même. Le joulin serrou, il a rigolé. Il a voulu que tu répètes, mais il a rigolé sur le joulin serrou. Je pense qu'en fait que les appels sont enregistrés, c'est pour ça peut-être qu'ils. Bah, c'est pour. Mais ils ont pas le droit de raccrocher, ils ont le droit, mais. Je pense que le prochain objectif sera d'essayer d'énerver un conseiller d'Ibis, enfin d'une chaîne. Très bien en tout cas, merci beaucoup. De rien. C'était un appel pas trop débile. Non, mais bah, déjà ils ont répondu du premier coup, donc on va rester sur les Ibis. C'est vrai que c'est un peu particulier de donner sa carte bancaire par téléphone. Que, quoi. Ouais. Non, j'ai déjà fait, ouais, si, les empreintes. En fait, ils mettent sur le côté le prix de la chambre, et puis si tu. Ils t'empruntent. Alors, mais c'est où ? Ça non. Combien 4 chambre à l'heure à 4. Sacré. Et c'est pas posé la question, bah c'est quand même une chambre à l'heure à 4. Partouze. J'aurais bien aimé voir Monique Labitte. Oh, le mec il a tapé sur l'ordinateur, j'ai encore un retour. Monique Labitte. Pour 4 personnes, chambre à l'heure. D'accord, ok. La suite de l'émission, ce sera après la musique, une petite pause avec un Kiki Bluff. Hein, vous le savez, c'est les gros concours d'anecdotes hein, que vous voyez sur Internet. Monsieur Macron l'a fait avec McFly et Carlito. On va le faire également avec notre invité Henri qui est avec nous. Une anecdote fausse ou vraie, ce sera à nous de deviner si elle est vraie ou elle est fausse. J'ai bien expliqué. Et on le fera aussi nous aussi. Bon, même si je t'ai niqué ton anecdote tout à l'heure, t'en avais une, mais on sait qu'elle est vraie. C'est génial. Une disquette vivante. C'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est bientôt sur TSU Radio. À tout de suite. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.